Salut tout le monde, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui, je commence cette merveilleuse journée par l'épisode 5 de ma série Hardcore. Et je dois avouer que j'ai continué à jouer hors caméra parce que j'aime ça et parce que je m'ennuyais beaucoup beaucoup. Ah, je pensais qu'Optifine réglerait pardon, les problèmes de son. Apparemment, c'est pas le cas. Là, je viens de me faire carotte un. Hein. Oh, c'est pas grave. Donc voilà, après j'ai avancé hors caméra, ça me saoule, voilà, hop. C'est vraiment vite dit, hein, alors là par contre j'aurais une question à vous poser, mais bon, ça n'a pas trop bougé, ici j'ai rajouté des coffres un peu partout. Ici j'ai chopé des citrouilles, il me manque plus que les pastèques, hein, et puis bah, j'aurai toutes les plantations qu'il faut. Et ici, c'est un coin spécial, pépèche. Parce que j'aime la pêche. Non, je déconne. Je cherche à tout prix. Merde. Je cherche à tout prix des chats pour me. Pour bah, bande apprivoisée en fait. Oh, le fail. Sale serveur de merde, il me fout des feintes quoi. Et vous l'aurez compris par ce gros blanc qu'il y a eu, que la pêche est quelque chose de très casse-couille. Alors, vite fait, je vais vous poser la question que je vais vous poser. Ici, donc je suis couche 85. Oui, ça a l'air d'être ça. Ouais, 80, oui, couche 85. Alors la lumière, je sais plus trop où ça se trouve. Il me semble que c'est le LC. Non, c'est pas possible d'être à 111. Non, ça doit être le RL, là, BL, RL, truc dans le genre. Donc je suis à 12 de lumière. J'ai des torches partout, hein, vous pouvez le voir. Et je voudrais absolument que de l'air pousse sur pas des mauvaises herbes, hein, que les blocs de dirt se transforment en blocs de grass. Donc avec la terre et l'herbe au-dessus. Comment puis-je faire? Alors, j'ai mis une source d'eau infinie au milieu. Il y a de l'eau, bon croyez-moi, je vais pas casser parce que j'ai pas de stone infini, même si j'en ai beaucoup, mais là sur moi j'ai la flemme. Est-ce que j'en ai? Non, voilà. De là à là, juste en dessous, il y a une ligne d'eau. De là à là, pareil, une ligne d'eau. De là à là, pareil, une ligne d'eau. Et bon, ici il y en a pas, mais voilà. Il y a de l'eau donc presque tout autour, une source d'eau au milieu, il y a de la lumière partout. Voilà. Comment? Qu'est-ce qui manque pour que de l'herbe pousse, en fait? Parce que je sais que ça peut pousser même enfin pas à la lumière du jour, je veux dire. Je l'avais déjà fait, ça, il me semble. Alors, vous voyez que j'ai rajouté pas mal de coffres, hein, ça c'est sûr. Hop, hop, voilà. Alors là, je suis allé miner pas mal, ce qui fait que j'ai autant de charbon. Parce que j'ai ces deux coffres qui tournent et j'ai ces 1, 2, 3, 4 coffres là aussi qui tournent. Qui ont fini de tourner d'ailleurs. Ouais, au pire. Allez, le dernier. Hop, hop. Hop, hop. Et hop, hop. Voilà. Bon, enfin bref. Ta ta ta, 64, 64, 64, 54, ok, c'est bon, ça monte ça. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Les pichenions, je sais plus où ça se met ici. Voilà. Ta ta ta, les citrouilles. Les poissons, je les ai mis où? Ici. Ta 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 ta, le blé, hop là. Peut-être me falloir du pain, moi, bientôt. Allez, hop. C'est qui part? Et hop là, du pain sur la planche. Eh bien oui! Pardon. Alors, tac 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 tac, je vais retourner à ma mine habituelle. Parce que j'ai trouvé une autre mine. Plutôt que de creuser mes mines sous ma baraque comme j'ai l'habitude de faire tout le temps. Hein. J'ai trouvé une superbe mine, pas loin du village de PNJ. Oula, et au calme. Alors. J'ai remarqué, je sais pas du tout si. Non, c'était pareil avant. Ouais, parce que j'ai eu un bug hors caméra en fait.
Alors caméra, j'ai eu un bug de configuration du serveur. En fait, j'avais le serveur, il était en peaceful, donc il n'y avait aucun mob. C'était l'anarchie totale, quoi. Donc lui, on s'en fout vu que j'en ai déjà plusieurs des moutons, donc je peux le tuer. J'ai pas mes cisailles sur moi, c'est pas grave. Ça n'est pas très important. Ah, ça a poussé ça. Nice. Voilà, vous voyez que ça doit être un bug de chunk, je pense, qui a dû arracher tout ça ou un truc dans le genre. Tous les trucs que vous voyez ici dans la stone, c'était soit du charbon, soit du fer. Donc il y avait pas mal de choses. C'était vraiment intéressant, je dirais. Et j'ai pas encore regardé la base qu'il y avait. Il faudrait que je trouve des vaches. Ça serait vachement important. Enfin bref, la mine que j'ai trouvée se trouve là. Et de mémoire, hein, je sais plus du tout, mais il me semble qu'elle arrive au bout d'un moment ou un autre. Dans un sens ou dans l'autre. Il me semble qu'elle arrive dans un dans une faille, dans ce que j'aime appeler des canyons. Oh là là. Et elle est bourrée de fer comme vous pouvez le voir. Qui est déjà une bonne chose, je dirais. Voilà, toi tu me files de la cobble, je suis en train d'en faire cure en ce moment, ça tombe bien. Nickel! Donc on va miner un petit peu aujourd'hui et puis après je pense qu'on va aller explorer un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas de mob. Tiens, vas-y. Calme-moi là, toi. Voilà. Ça va pas me saouler longtemps. Voilà. Oh putain! Ah! J'en ai marre de ce taux de merde. Non, non, non. Alors j'avais une autre chose à vous demander. J'avais posté à l'époque, je sais plus trop sur, enfin, à l'époque, je dis ça, mais ça fait pas si longtemps que ça. J'avais posté il y a pas si longtemps que ça, il me semble, une vidéo concernant. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, je suis con. Concernant, excusez-moi, j'essaie de enlever cette eau de merde. Voilà. J'avais posté une vidéo concernant une demande de participation. Il y avait eu des bugs, des bugs de vidéo, etc. Je l'ai même refaite plutôt que simplement refaire le rendu du premier montage que j'avais fait, en expliquant un petit peu mieux, je pense, j'espère en tout cas. Et à ce jour, je n'ai encore aucune réponse. Alors je voudrais juste savoir s'il y en a qui voudraient le faire, s'ils n'ont pas compris quelque chose ou si vraiment je suis seul comme une merde. Non, franchement, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions, hein, dans les commentaires de la vidéo en question. Pas sur n'importe quelle vidéo, bien sûr. Mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le moment, c'est pas pour le nombre d'abonnés que j'ai que ça va être compliqué pour moi de répondre à tous les commentaires. Pour le moment, je le fais très bien. Dès l'instant où j'aurai du mal à répondre à vos commentaires, je vous le dirai, hein, je vous préviendrai, ça c'est sûr. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude que je leur réponde et que d'un coup je leur répondrai plus ou un truc dans le genre. Mais bon, pour le moment c'est pas du tout le cas, donc vos commentaires je les lis dès que j'en ai dès que j'en ai un nouveau, je suis content. Quand c'est un commentaire très positif, je suis encore plus content. Ça me fait vraiment plaisir, en tout cas ça me touche vraiment vos commentaires. Y a pas à se poser la question là-dessus, ça c'est sûr et certain. Mais voilà quoi, c'est juste histoire de vous dire, hein, vos commentaires je les lis. Si vous avez une question, voilà, n'hésitez pas à la poser. Sinon, bah c'est que je suis vraiment seul et que mon trône, je dois me démerder à le faire tout seul. Sinon, j'aurais une question à vous poser pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans YouTube et qui regarderaient éventuellement mes vidéos. Je cherche à... Voilà, il est là le canyon, il me semble petit, mais... Je cherche à... Alors, je cherche pas à devenir partenaire à YouTube. La chose que je cherche à faire, c'est comprendre comment le devenir. Parce que je compte le devenir un jour, je pense, hein, si ça continue comme ça a commencé, je vois pas pourquoi je le deviendrais pas. Et voilà, je compte le devenir, mais je galère un petit peu à trouver comment faire. Alors, je sais que quand on va dans le nom de compte en haut à droite là, sur YouTube, et qu'on va dans paramètres, on arrive sur une page avec dans le menu à gauche, il y a un menu monétisation.
Et j'essaye dans ce menu monétisation, ils nous disent votre compte n'est pas activé pour le partenariat ou je sais pas, ou non pour la monétisation ou je sais pas quoi. Et il y a un bouton activer le compte, un bouton qui est bleu foncé, activer le compte. Le problème c'est que quand je clique dessus, le bouton devient non pas bleu foncé mais bleu clair, mais il se passe rien d'autre. Et quand je dis rien d'autre, c'est autant il se passe rien sur le site, sur la page donc. Autant il se passe rien non plus, je sais pas, du côté du serveur, je voilà, je clique sur le bouton, il se passe rien sur la page, donc je vois aucune différence, je reçois aucun email qui me dirait éventuellement que j'aurais activé un truc ou que j'aurais fait une demande d'activation. Voilà, je comprends pas. Là par contre, je me demande si le serveur est vraiment. Putain, il s'est remis en peaceful? Non, mais sérieux, il a décidé de me casser les couilles lui ou. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis tranquille, je me dis aussi c'était pas normal. Pas normal que je sois tranquille en hardcore. Vous savez quoi? Je termine de miner ça. Hop. Oh, le charbon en masse, c'est bon ça. J'ai une deuxième pioche? Oh merde. Je dois remonter quand j'aurai pété cette pioche là quoi. Pas à mon habitude, je dois avouer que quand je go miner comme ça dans une grosse grotte, dans une faille. Qui est aussi rempli que ça en tout cas, il faut avouer que je pars toujours avec au moins deux pioches. Là, je sais pas pourquoi, je suis parti avec une seule. Oh là là, sérieux quoi, vous voyez la chance que j'ai. Bon, c'est que du fer, vous me direz, il y a mieux, mais le fer aide, hein, de toute manière, c'est avec ça que je vais faire mes pioches, etc., qui vont servir pour avoir d'autres trucs éventuellement, le charbon, oh là là, la tonne de charbon que je me fais. Tac, 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 tac. Tac. C'est bon, c'est fini? Ok, nice. Je vais juste remonter pour reboucher cette source d'eau qui me saoule depuis tout à l'heure. Alors, on va remonter en mode ultra rapide si ça marche. Merde, je suis con. Non, ça marche pas, d'accord. C'est pas grave. Vite, faut que je redescende avant que l'eau soit complètement tombée. Ouhouhou, la moule que j'ai eue! Voilà! Poser quelques torches. Et pour éviter que je me reconnecte en hardcore et qu'il y ait des mobs autour de moi qui vont me défoncer le tout ce que vous voulez, on va faire ça. Hop! Hop et hop, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite, les gens. Ouh. Oh putain, plus jamais je fais ça. J'avais oublié le bug. Quand vous vous déconnectez dans une salle où en gros vous êtes dans un bloc. Enfin, c'est assez bizarre. Si vous vous déconnectez, si par exemple si je me déconnecte ici et qu'il y a un bloc au-dessus du coffre. Et que j'ai qu'un seul bloc de hauteur, enfin que j'ai un bloc en moins de haut, vu que là je suis en 3 de haut, si je suis en 2 de haut, je vais me reconnecter, mais au-dessus. Là, je viens de me reconnecter après avoir mis le serveur en hardcore, et je confirme qu'il est en hardcore. Excusez-moi. Après avoir mis le serveur en hardcore, je me reconnecte sur le serveur, et là j'atterris en haut de la mine, tout en haut, juste à l'entrée en fait. Et là, il y avait combien? Il y avait au moins 3 squelettes, 2 zombies. 4 creepers et 2 araignées. Je confirme qu'il est en hardcore. Je suis arrivé chez moi, il me restait 1 cœur et demi de vie. Voilà, je veux pas faire le pessimiste, mais ça aurait pu éventuellement faire mal, quoi, j'ai envie de dire. Enfin bon. Du coup, je vais aller me pioter, je pense, et je vais. Et je vais retourner miner. Non, allez. On ira miner plus tard. Ici, qu'est-ce que je voulais faire vraiment? Je me souviens plus. Alors. Parce que j'avais eu dans l'idée de d'agrandir encore un peu ma maison. Il me semble que c'était pour agrandir ces plantations de blé là. Ah oui, pour mettre de la canne à sucre aussi, voilà ce qu'il me fallait.
Ouais, bah ouais. Écoute, grandir alors. Encore du monde ou quoi? Non, parce que ce que je vais faire là, c'est choper un seau, le vider. Tiens, un bâtard, va. Hey, tu m'as fait mal. Et je ne sais plus trop quoi. Ah! Pardon, je sais pas d'où elle me vient cette musique, mais... Que vais-je faire avec ce seau vide? Bah t'es pas allé le remplir d'eau dans la mer. Bah non, j'ai une source d'eau infinie, je m'en fous de la mer. Lol. Faut que je retrouve c'est laquelle? Celle-là. J'aurais même dû prendre deux seaux, vous savez quoi? Et j'ai maintenant un seau de lave! Énorme! Donc, oui, alors ça c'est pour moi aussi, voilà. Ça me fera des demi-dalles en stone. Merde, c'est ça que je voulais faire. Ok. Ils sont beaucoup là-dedans. Hop là, hop là. Yo! Voilà. Alors, tech. Mince, très bien joué ça. Hop. Hop. Oui, alors pourquoi je monte là? Je veux juste voir ce qu'il y a derrière en fait. Ça m'intéresse. Qu'y a-t-il derrière? Ouais. Pas grand-chose, hein. Ce n'est point beaucoup intéressant, les dons. Hop. Oh là là, le vieux lag que je me tape. Hop, hop. Oh là. Oh, des squids! Yo, LR6, ça va? Alors. Des squids. Ah oui, dernière chose aussi que je voulais vous parler. Il me semble en tout cas que c'est la dernière. Je prépare une nouvelle intro. On commence à réfléchir pas mal avec Skinnery. Pour faire une espèce de, bah comment dire, une espèce de partenariat, je dirais, un partenariat entre nous deux, quoi, je dirais. Voilà, on s'entend vachement bien, on fait pas mal de vidéos et puis bah, j'espère que ça vous plaît aussi parce qu'en tout cas nous, ça nous plaît vraiment. Et du coup, bah voilà, je suis en train de bosser sur une intro. Donc il y aura mon intro pour moi, bien entendu. Je vais changer d'intro parce que celle que j'ai actuellement, bah vous l'aurez remarqué, hein, enfin moi perso je la trouve pas si mal, enfin je la trouve bien faite quoi on va dire, mais elle a pas, je pense, je trouve pas qu'elle ait sa place pour une chaîne Minecraft, enfin, uniquement Minecraft pour le moment en tout cas. Donc là-dessus voilà, donc je suis en train d'en refaire une et voilà, si je me démerde pas mal, ça devrait vraiment vous plaire. Et à la limite, si ça vous plaît vraiment, 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 je vous posterai le template qui va avec. Enfin, pas le template de mon intro, bien entendu. Le template qui permettra de faire une partie de l'intro. Je vous en dis pas plus, hein, bien sûr. Ah, il y a encore un puits là-bas. Et voilà. Et du coup, bah, vu que je pensais commencer ce partenariat avec Mister Skinnery, bah, je me suis dit que voilà, mon intro, j'allais faire la mienne et puis j'allais faire une intro spéciale pour qu'on joue tous les deux. Donc, bah écoutez, pour le moment, j'ai encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire dessus. Mais en tout cas, regardez mes vidéos et attendez-vous à avoir une nouvelle intro qui déchire tout. Enfin, j'espère qu'elle déchire tout. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Hop, hop.
Allez, 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 allez. Allez! Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va creuser ici. Voilà. Nickel. On va bouffer un peu parce qu'il nous manque un peu de lait. Et ici, on va faire. Ta-ta-ta-ta-ta. Il me semblait que j'avais de la dirt, c'est bien ça. Alors, la source d'eau est ici, il me semble. Non, d'accord, ça, on a fait une infinie. Je ne suis pas dans le caca. Et ben voilà, nickel. Voilà, comme ça je peux casser ça sans que l'eau vienne me faire chier. Et bah, je pense que bah, j'aurais pas fait grand chose. Genre... Oh putain! Je suis pas content. Bon, c'est pas grave, j'en ai assez de toute façon. Tu. Où est ma maison? Va falloir que je remette le waypoint de la maison. Parce que si vous voulez, j'ai réinstallé tous mes mods vu que je lance le jeu maintenant avec Magic Launcher. J'ai eu trop de problèmes par rapport au mode, ça m'a saoulé. Mais du coup, j'avais complètement oublié de sauvegarder tout ce qui était configuration des modes, etc. Donc bah, j'ai dû remettre tous mes waypoints. Hop, hop, hop. Oh la chance que j'ai eue! C'était magnifique ça, j'ai envie de dire. Tac 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 tac. Il me faudrait du sable à fond, voilà, pour faire du grès ou sinon pour me faire des vitres. Je vais juste aplatir ça. Hop 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 hop. Toi t'es mort, voilà. Et on est parti pour repartir. Je sais que c'est pas très français. Mais j'avais envie. Oh là 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 là. Une autre grotte? Ah non, dommage. J'aime les grottes. Un cactus. Lol. C'est bien ce que je pense. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Ça, merde, non, ça c'était de la dirt, ça. Là, y a rien à dire, le coup de l'argile, c'était puissant. Y en a d'autres ou bien? Oh, dites-moi que c'en est. Alléluia! C'est qui a touché le patol, c'est monsieur un raptor. C'est monsieur. Ok, j'avoue que cette chanson était bidon. Merde, je suis con. Je suis en train de les esquiver, de les casser, les machins de pétales. Et vite avant que j'ai plus d'oxygène là. Non, non, non. Merci. Et hop là, on redescend pour casser tout le reste. Ça va me permettre de me faire une jolie, 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 jolie maison. Vu qu'il me semble que ça sert pas à grand chose de plus. Dites-moi hein, si ça sert à autre chose, honnêtement, perso. Perso, l'argile, je la cuis pour faire des briques, et après, avec les briques, je fais les blocs de briques, tout simple. Et je vois pas trop à quoi ça pourrait servir d'autre. Quoi d'autre ça pourrait servir, pardon. Ok. Hop, hop, hop. Une table de craft. Oh, des livres. Des plaques de pression, ça sert ça pour la redstone. Hop, la table de craft, ça peut toujours servir, disons, les tables de craft. Les escaliers, pareil. Je suis en train de les voler, je sais, c'est pas bien. Ah, oh, je suis full, j'ai le seum. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Hop. Hop, et ouais, le bloc tout seul, je m'en cogne. Allez, hop, retournons à la maison. Oh, putain, il va faire nuit, il faudrait peut-être que je rentre. C'est bien là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Hop, hop, hop.
Ah, va falloir que je fasse quelque chose pour cette entrée de baraque complètement pourrave. Je vais sûrement faire un escalier ou un truc dans le genre, parce que ça commence à me saouler. Voilà, carrément, je dois faire du mine, du jumpcraft pour rentrer chez moi, c'est horrible. Ça pousse vraiment pas, hein. Je sais pas trop pourquoi. Mais... Comment ça me saoulait ça? Alors, ici, on va poser tout ce qu'on a besoin de poser. Ici, j'ai pas mis le gravier, le gravier. Je l'ai mis. Ah oui, non, le gravier. Ah oui, alors le gravier. Gravier, c'est un peu spécial. En ce moment, je m'amuse avec le gravier. Voilà. Alors, vous me direz, ça use la pelle. Oui, je sais. Bon, là, surtout que j'ai pas eu de moule du tout. Sur 6 blocs, j'en ai eu aucun, quoi. Mais voilà, le silex est beaucoup plus important que le gravier. Honnêtement, le gravier, je n'utilise pas du tout. Le silex, je vais l'utiliser pour les flèches, pour les briquets qui peuvent servir aussi. Donc ce que je vous fais, quand vous avez du gravier, si vous êtes comme moi et que vous savez pas comment faire, et ben vous les posez, ça vous utilise des pardon, des pelles peut-être, mais voilà. Vous posez le gravier et vous le cassez et en boucle jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ou jusqu'à ce qu'il vous reste un bloc, ça dépend quand vous. Jusqu'à ce que vous en ayez marre aussi, ça marche. Ouais, et là ça commence à bien me saouler correctement quoi. Oh, tout va casser, ça, le gravier de merde. Allez, putain, voilà, encore. Non, mais sérieux, encore, encore. Voilà, encore. Encore, je te dis. Attendez, si je fais ça comme ça. Non, c'est pas mieux. Sais pas trop comment ça marche pour le drop du silex. Je sais pas si c'est genre aléatoire ou si ça dépend de l'outil ou. Enfin, ça dépend de l'outil, ça dépend de la matière de la pelle. Je sais pas trop. Faudrait que je vois. Oh yeah. Ta 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 ta. Allez, ça me saoule. Hop, donc le gravier, oui, le gravier qui reste, je sais plus où je le mets à chaque fois. Bon, bref, là, silex, un gravier, c'est pas très grave. Ensuite, ici, ça devient intéressant. On a du grès, donc c'est celui-là, il me semble, faut voir. C'est ça. On a du sable, on a des demi-dalles en grès. Oui, donc ça bouffe un petit peu de place quand même, tu peux mettre ça à la place du sable. Et il veut les voler, donc on va d'abord se faire. Hop. Hop. Non, on va commencer par le sable. Hop, hop. Hop, 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 voilà. Ah oui, non, j'avais celui-là à faire aussi. Voilà. Ici, grès 2, voilà, ouais, hop, hop, grès 2, hop. Je vais me faire une ligne de grès 2. Je vais me faire une ligne de grès, de grès. Une ligne de sable. Grès, hop. Et les demi-dalles, ça part là. Alors ici on a ceci, on va faire cuire, joli. On va faire cuire tout ça, d'accord. Là j'ai du fer, oh yeah, hop, voilà, la roche elle part là, comme d'habitude j'ai envie de dire. Ça c'est les outils, ah oui le fer, je suis combien là? Ça va, ça monte! La table de craft, avant que j'oublie. Les plaques de pression, je les ai mises où? Ici. Ah oui, ça aussi. Voilà. La dirt ici. Voilà. Les barrières ici aussi, il me semble. Voilà. Les demi-dalles de stone. On va les mettre en bas à côté de cet escalier. Voilà. La laine, c'est en dessous. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Et ça. Hop. Ici et c'est bon, il me semble. Ouais, ça doit être bon. Voilà. Hop, hop. Et voilà ce que je voulais tester, c'était ça. Parce que j'ai jamais testé, honnêtement, et je voudrais savoir comment ça marche. Je
Je pense qu'on va le laisser avancer. Ici, ah oui, la laine. Ouh, des blablés, ça m'intéresse. Hein, hop, voilà, t'as tout gagné. Hop, hop, hop. Ah oui, alors ça. Oh putain, oui, c'est ça qu'il fallait que je me fasse. Une pioche en fer. Les sticks qui sont là, les lingots aussi. Hop. Hop, 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 hop. Ouais, vous savez quoi, on va s'en faire une d'avance. Aujourd'hui, on est riche. Ou pas. La troisième, on va la poser dans le coffre. Ce sera plus sécure, je dirais. Alors, la troisième ici, bon, de toute façon, voilà, avec les outils, nickel. La hache, c'est bon. Voilà, il me manquerait juste en gros. Allez, deux pelles. Deux pelles et une épée. Allez, on recommence. Deux pelles et une épée. Ouais, bah, oui, hop, voilà. Alors, deux pelles, hop, et une épée. Oh le con! Ah oh, non! Heureusement qu'il me restait pas trop de sticks parce que sinon. Oh, putain! Bon, bah, je suis paré pour aller faire la guerre. Tout seul. Je suis une armée à moi tout seul. Oh, ce bordel, quoi. Combien j'en suis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain. Bon, au pire, ça me ferait des trucs à enchanter. D'ailleurs, je suis level 7. Faudrait peut-être que je trouve un spawner, histoire de. On verra ça. Lui, il en est où? Putain, il en est encore au début. Énorme. Alors, qu'est-ce qu'il me manquait? Tatatata. Donc, ça, on va faire le ménage ici. Ça, ici, voilà. Les bouquins, je les ai mis où les bouquins d'ailleurs? Ici, voilà. Et avec les bouquins, on va faire de suite. Hop, hop, voilà. Des plans-planches. Enfin, des planches, des bibliothèques, pardon. C'est à ça que c'est pour ça que je la récupère d'ailleurs. Hop, hop, hop. Ah, fallait qu'il me fasse chier lui, ça. Putain. Allez. Ouais, bon, j'ai compris, j'en ai pas assez. Putain, qu'est-ce que. Casse à bonbons! Et voilà, hop, 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 et on a des bibliothèques. Je sais, ce mot n'est pas français. Alors, les plumes, c'est les poules, hein, c'est bien ça. Donc, il faudra que je me fasse un farmer à œufs. Ce serait vachement sympa. Ensuite, très bonne question. Ah oui, alors, le charbon, il va là. Hop. Voilà, ça va là-haut, ça aussi. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est quoi? Planter plus de blé, planter de la canne à sucre, planter les fleurs, rouge et jaune pour en avoir plus pour pouvoir me faire du colorant. Les champignons, c'est déjà fait. Ensuite, il reste quoi? Le cactus, je suis pas sûr que j'en ai vraiment besoin tant que ça, par rapport du colorant, mais bon, voilà. Ok. Ensuite, trouver une mine abandonnée ou un donjon. Et espérer qu'il y a des graines de pastèque dedans. Donc écoutez, je pense qu'on a bien avancé. En tout cas, moi j'ai bien avancé pour la construction de ma maison. Ça c'est déjà pas mal. Et puis bah, je vous dis que j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude. Ça me fera vraiment plaisir. Et si vous avez une question encore par rapport à n'importe quoi que j'aurais dit pendant la vidéo, n'hésitez vraiment pas à la poser. Puis bah, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!